17 octobre 1806, il a assassiné Papa Nation. Il faut que nous regardions dans l'histoire qui ça Jean-Jacques Dessalines a fait, qui ça a été, qui ça a été. Et là, nous gardons journée aujourd'hui, à un moment que nous vivons là, nous gardons, nous saisissons, il y a 7 gros défis, 7 gros batailles que Dessalines a mené. L'ELT dans notre pays, qui aujourd'hui, c'est 7 gros défis avec 7 gros problèmes qu'il a toujours. D'abord, nous avons parlé de défis avec problèmes de souveraineté nationale. Ça veut dire, pendant Jean-Jacques Dessalines lui-même, ta bataille pour nous construire fort dans tout le pays, parce que Blanc, à n'importe quel moment, il était menacé pour retourner. Et mais aujourd'hui, nous garder Blanc toujours à fourrer, doit être bien long dans les affaires pays. Ça qui fait que la souveraineté nationale est en danger. Et c'est pour ça que nous disons faut que nous fassions très attention, parce que étrangers, pas besoin de faire rien pour nous-mêmes, Haïtiens. C'est nous-mêmes qui pouvons prendre responsabilité, nous. Parce que l'on a dit, depuis 15 ans, il y a des missions Nations Unies qui sont toujours là sous base sécurité, justice, police, côté nous, aujourd'hui. Et ils ont dépensé 10 milliards de dollars. Si on était prêt comme ça, ils ont mis dans l'armée avec la police, nous avons plus loin. Au lieu de 15 000 policiers, peut-être nous avons gagné 45 000 policiers, peut-être au lieu de gagner. On l'a mis des manchettes. Tout à coup, bon l'a mis qui a permis nous bataille contre la sécurité. Malheureusement, ce n'est pas ça que fait. Nous dit, deuxième défi, deuxième gros problème que Dessalines a fait face à lui-même, c'était problème pour lui remembrer l'économie pays, pour le relancer la production nationale. Nous sommes sortis dans un système colonialiste esclavagiste et nous devons passer dans l'autre système. Mais je dis à tout, nous avons un système économique, nous avons une économie qui va camper son rien. Nous avons une économie, c'est transfert l'argent qui saute l'autre bord qui entre là-dedans. Nous prenons comme ça, qui ça nous fait acheter dans mes commerçants. Commerçants, ça qui est sur importateur. Pas de production nationale, agricole, agro-industrielle. Faut que nous organisons nous pour nous relancer la production nationale, pour nous mettre haïtiens, haïtiennes au travail. Pour nous même tous les jeunes qui là, nous jouons une chance nous, de nous finir étudier. Troisième gros défi, troisième gros problème nous dit, c'est question éducation. De Saline, il y a une responsabilité pour le débat petit esclave, éducation de qualité. Mais je ne veux dire à nous, c'est le même problème là. Parce que nous avons une responsabilité pour nous avoir une éducation de qualité pour tous les Haïtiens. Malheureusement, qui ça nous est? Nous avons une éducation pas pour qui? Nous avons une école à deux vitesses. Nous avons qu'en Haïti, nous investissons moins de scope dans les gens que l'autre pays. Chiffre clair, Haïti dépense 200 millions de dollars pour 4 millions de gens. Ça fait 50 dollars par timoun par année. Mais là, pour un budget, c'est 200 millions pour 4 millions de timoun. Là, divisé, libor 50 dollars. Et bien, c'est même bagarre là, on a regardé pour République Dominicaine. République Dominicaine dépense 4 milliards de dollars pour 3 millions de timoun. Ça fait 1000 dollars par timoun par année. Costa Rica, c'est 3000 dollars par timoun par année. Cuba, c'est 2000 dollars par timoun par année. Donc, qui ça nous dit? Nous dit, sauf faire assez loué. Donc, nous pensons que son défi qu'il a aujourd'hui est quitter la tout sous Papa Dessalines. Quatrième gros défi, nous te dit, c'est lutte contre la corruption. Ça veut dire que Papa Dessalines mourit pour faire vérification des titres de propriété. Ça veut dire qu'il devait mettre l'ordre dans l'État. Et bien, aujourd'hui, nous avons regardé Petro Challenger, nous avons regardé tout le mouvement. Il y a un mouvement dans la société qui dit dirigeants, nous voulons connaître qui ça nous fait à cop taxe, nous-mêmes avant nous payer. C'est extrêmement important. Il était là. Il y a 215 ans, il est là, je dis encore. Cinquième gros défi, cinquième gros bataille que Dessalines a bataille pour lui, c'est de mettre sécurité, blague sécurité en Haïti. Je dis, c'est le plus gros problème qui est en Haïti. Affaire que les politiciens parlent de accords, des accords, des accords, des accords, des non. Nous-mêmes nous disons le mouvement en avant, nous déclarons tout ça. Premier problème haïtien, je dis, c'est sécurité. Fon ka marcher libre, libre, non pays que Papa Dessalines mourit pour lui. Ce n'est pas normal. Et nous dit que la sécurité, aujourd'hui, c'est la priorité des priorités. C'est lui-même pour dire qu'il choisit avec lui. C'est lui-même pour diriger. Si vous décidez, vous voulez diriger le pays, il faut qu'il décide de nous qui soit fait pour nous vivre libre, libre. Pour tout Haïtien, Haïtien qui sorti, quitte la caillou, pour ne pas vivre dans la pérèse. Et que vous connaissez, vous sorti, pour rentrer la caillou sans problème. Et sixième défi, son défi pour nous mettre en place institution pays, parce que nous dit que si pas institution, pas un pays. Et je vous dis, nous garder des dégâts qui sont faits en Haïti pendant les dernières années,
nous dit toute institution sous la graba. La police sous la graba, la justice sous la graba, parlement inexistant, exécutif sous la graba. Tout pays a haï. Ça veut dire que directeur général police haï, gouverneur banque centrale haï, conseil d'administration BRH BNC haï, son pays qui haï. Donc faut aller remembrer institution pays a et c'était même défi ça que papa de Saline de faire face à lui-même. Il y a 100, il y a 215 l'année. Et dernier défi, c'est défi pour nous unifier le pays. Je dis à Haïti divisé, je dis à ce yin-hang, c'est une voie et tout sur l'autre. Faut capable bien des hommes et des femmes politiques qui prennent pouvoir et qui parlent le langage de la réconciliation. Nous ne devons pas la croire, nous ne devons pas mourir pour ça. Et ça, c'est un apprentissage pour nous faire depuis l'école. Et ça me pense que si nous voulons faire démocratie, c'est comme ça pour lier. C'est comme ça pour lier si nous voulons faire démocratie. Et en conclusion, génération ça qui là aujourd'hui avec moi. Papa de Saline de menon bataille pour construire une nation. Il mourit au pont rouge, il va être arrivé à destination. Nous-mêmes nous avons responsabilité pour nous continuer le travail, Papa de Saline de faire. Chacun nous qui là il y a une responsabilité ça. Et pas oublier que plus fort dans nous là dans l'école, ça veut dire que ça veut dire une responsabilité plus que tout l'autre qui va réussir à l'école. Donc moi compter sur nous. Pays a compter sur nous parce que jeunesse pays a c'est lui qui a venu pays a. Et c'est pour ça nous même dans le mouvement en avant, nous toujours bailler jeunesse à bout pour le passé parce que c'est dans lui nous croyons. Nous pas besoin à chercher à l'étranger pour nous joindre modèle qui pour inspirer nous. Allons dans l'histoire d'Haïti. Aller depuis notre Toussaint l'ouverture, le précurseur. Aller dans Henri Christophe, le bâtisseur. Aller dans Dessalines, le libérateur, qui mène nous la journée aujourd'hui. Et puis aller tout dans Pétion, qui est l'adepte du panaméricanisme. Ça veut dire Pétion lui-même qui était à Haïti plus grand que 27 000 km². Ça a une solidarité internationale que Haïti a mené. Parce que pas jamais oublier qu'en 7 000 km, Haïti a un petit pays 8 ou autre. Il était à Haïti non seulement comme une terre de liberté pour nous-mêmes, pour grand-grand-grand-grand-papa, grand-grand-grand-nous, mais pour tout le monde qui était victime de abus dans le monde entier. Constitution impériale de Saline 1850 dit, quel que soit le pays que vous sortez, pour son monde qui a subi persécution, vous avez en Haïti, n'a pas bon papier. M'aimer remercier la direction bibliothèque Michel Tardieu Pétionville-là, qui permettent nous pour nous faire rencontre ça aujourd'hui. Son date historique qui permet nous parler de Papa Nation. Donc son rencontre citoyenne pour nous discuter de date ça, de Papa de Saline, de qui est cité, de qui ça le fait pour nous. Et surtout pour nous garder qui problème qu'elle t'a gagné, qu'elle t'a géré et qui vient retrouver aujourd'hui à son réalité 215 l'année après.